Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous êtes bien et que vous avez passé un très très bon week-end. Pour cette séance numéro 7, j'ai préparé plusieurs défis que vous allez devoir réaliser pendant la semaine. D'accord? Je vous conseille de réaliser un défi par jour. Vous avez une semaine pour le faire et vous aurez une fiche à compléter dans Classroom que vous devrez m'envoyer pour savoir si vous avez été performant ou pas dans les différents défis. Ok, on y va. Nous avons besoin d'une cuillère et, comme d'habitude, d'un rouleau de papier toilette. Nous allons prendre la cuillère par le cuillerant, par la partie qui sert à prendre la nourriture. Et je vais mettre mon rouleau de papier toilette sur le dos de ma main. Ok? Simplement, je vais lancer en l'air mon rouleau de papier toilette et je vais essayer de passer la cuillère par le trou du rouleau. Ok? Comme ça. On va voir si j'arrive. Compris, vous avez 2 minutes pour le faire. Plus de fois vous réussirez à passer la cuillère, plus performant vous serez. D'accord? Nous avons besoin d'un tabouret ou d'une chaise, de 6 rouleaux de papier toilette qu'on va mettre en forme de pyramide sur le tabouret ou la chaise, et d'une paire de chaussettes qu'on va lancer pour faire tomber les rouleaux de papier. Nous allons nous placer à 3 pas de distance des rouleaux de papier. Et vous avez 15 lancers pour faire tomber le maximum de rouleaux de papier toilette possible. D'accord? Bon courage! Nous avons besoin de 3 chaises ou 3 tabourets et que nous allons mettre à une distance de 1 mètre, plus ou moins, et d'un rouleau de papier toilette qu'on va mettre sur notre tête. D'accord? Nous allons faire un zigzag avec le rouleau de papier toilette et vous avez 2 minutes pour le faire le maximum de fois possible. Vous devez compter pendant ces 2 minutes le nombre de fois que vous réussissez
à faire l'aller-retour sans faire tomber le rouleau de papier toilette. Ok, on y va. Nous avons besoin uniquement d'un balai. Nous allons mettre la pointe de notre balai sur la paume de notre main et sans tenir le balai avec l'autre main, nous allons passer de cette position de départ à une position d'accroupi, puis revenir dans la position de départ. Comptez le nombre de fois que vous arrivez à le faire pendant 2 minutes.